Les entreprises, elles ont bien compris le phénomène du changement climatique et vers quoi on allait si on ne faisait rien. La lutte contre le changement climatique est au cœur de la stratégie des grandes entreprises françaises aujourd'hui. On a souhaité, à la FEP, pouvoir contribuer à cette prise de conscience que la transition climatique et écologique, elle était en cours de mise en œuvre par les entreprises. L'objectif premier de cette plateforme, c'est de montrer que les entreprises avaient mis en œuvre des projets, mettaient en œuvre de nouveaux modes de transformation, à la fois dans leur process de production, dans les produits, leur vie quotidienne, et qu'au fond, il était vraiment indispensable de le faire savoir. La plateforme Ambition for Climate présente 68 projets de 34 entreprises. On parle de mobilité, on parle de décarbonation du process de production, on parle de transformation des produits de grande consommation. On a les caractéristiques de chaque projet en termes de réduction d'émissions, d'investissement, de niveau de maturité technologique. Les grandes entreprises font levier. Elles ont une capacité, au travers de leur chaîne de valeur, à lutter contre le changement climatique. Notre souhait, c'est de démontrer qu'en tout cas, les entreprises sont prêtes à donner des détails très importants sur chacun de leurs projets. Chaque internaute pourra interroger chaque entreprise. Et l'objectif, c'est de créer ce dialogue. Notre démarche est inclusive. Nous souhaitons pouvoir l'élargir ensuite à toute entreprise volontaire qui appliquera la grammaire carbone. Et finalement, l'intérêt, c'est d'additionner ces différents projets et de montrer qu'au fond, pour une part, ils sont reproductibles. L'intérêt de la plateforme, c'est aussi d'être inspirante. Le défi à relever reste immense. Toutes les entreprises ont bien conscience que rien n'est gagné à ce stade, mais elles sont prêtes à faire leurs meilleurs efforts.